Si le COVID-19 rappelle de mauvais souvenirs, il a quand même le mérite d'avoir légué un instrument efficace pour lutter contre la poussière. Le masque s'est intégré sans aucune difficulté dans les habitudes professionnelles des conducteurs de moto. Ah, ça, c'est même pas pour Corolla, c'est pour la poussière, le cache-nez. On ne peut pas, même qu'on n'arrive même pas à travailler même. Le travail devient dur, les clients fuient, nous fuient. Sans cache-nez, on ne peut rien. C'est avec les véhicules, à toutes les circulations, la route est peuplée. Il faut le cache-nez pour un peu baisser la température de la poussière. Lieu dit Carrefour Lycée Bilingue, ce mardi 27 novembre. C'est ici le point de ramassage pour le quartier Colmessin, à quelques kilomètres seulement. Mais avant d'aller plus loin, en moto ou en taxi, le cache-nez est une nécessité. Tous les jours, je sors avec mon cache-nez parce qu'on ne peut pas laisser ça pour la poussière. Il y a trop de poussière là-bas. Il y a trop de maladies avec la poussière. On va un peu se protéger. Bon, le peu que ça peut. Une fois sur le bitume, on peut prendre une bouffée d'oxygène attendant la prochaine excursion poussiéreuse. Nous quittons Colmessin pour le quartier Fébé Village. Situation identique, la poussière dicte sa loi et les mototaxis s'adaptent. Comme je mets aussi mon casque, comme je mets là, ça me protège pour que la poussière n'entre pas sur mes narines. Aussi, je protège aussi mes oreilles puisque ça entre aussi, ça bouche aussi les oreilles. Le regard porté sur le cache-nez a lui aussi changé. Autant il suscitait de la crainte au plus fort du coronavirus, aujourd'hui il rassure une fois noyé dans la poussière. Comme quoi, votre ennemi d'hier peut devenir votre allié demain en fonction des circonstances.